Eh bien, salut à tous les amis, comment ça va? En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve avec Mister Kiwi, comment ça? Salut, ça va? Eh bien, écoute, moi, ça va super. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un troll, un nouveau troll avec Mister Kiwi, c'est le premier. Et ce troll, les amis, il est juste épique, il est magistral, on l'a vraiment super bien réussi. Donc, en fait, je vais vous expliquer en quoi consiste le troll. Donc, je vous en ai fait un petit condensé. En fait, on a fait croire tout simplement à deux gamins qu'on leur avait mis un faux virus sur leur PC. La réaction, elle est juste épique. Ça a été une réaction en 3 temps. Qui a été génial, donc je vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser sur le troll. En tout cas, vraiment, les amis, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus. En tout cas, les gens aussi sont, enfin, les mecs qu'on a troll sont vraiment super sympas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. Ils ont une chaîne YouTube, je vous la mettrai en bas dans la description. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous laisse tout de suite sur le troll. Voilà, les amis, tchuss. J'ajoute 3, 2, 1. Attends. T'as dit quoi? Allo? Allo? Ouais, salut, ça va? Ouais, ça va et vous? Ouais, ça va, tranquille. Tu fais quoi? Bah, j'attends le rush. Ah, ouais, ok, ça marche. C'est un peu chiant. Ouais. Bah, disons que c'est un peu. Ouais, c'est clair, c'est un peu casse-couille d'attendre autant de temps pour un rush, quoi. Après, y a peut-être moyen de lancer une partie. Avec moins de joueurs, non? Bah, je sais pas. Bah, au pire, t'as Epicube? T'as Epicube? Non. T'as pas Epicube, mais t'es pas en premium? Non. Ah, mince. Ouais, bah. Je t'appelle comment? Martin. T'as quel âge? J'ai 13 ans. Ça marche. Cool. Et vous? Bah, moi, j'ai 15 ans, moi. Ok. Je vais utiliser la de personne, quoi. Ah. Je vais utiliser la c'est bon. 9, c'est chiant. Bah attends, ouais. Ouais, ce que je peux faire, c'est que. Ouais, par contre, aussi. Faut vraiment que tu me promettes que tu le dises à personne. Hein. Ouais, vas-y. Genre, en fait, si tu veux, il y a. Quelques temps en fait, si tu veux, j'ai acheté un truc, enfin j'ai plutôt loué un truc, et genre, je sais pas si tu sais ce que c'est, ça s'appelle un générateur de compte. Ouais, je connais. Tu vois ce que c'est? Ouais, et ouais. Genre, en fait, je peux pendant, enfin, je le loue pendant 15 jours, je dois le payer 5 euros par mois, ouais, et enfin 5 euros par deux semaines, et en gros, je peux avec ça, en fait, je peux créer autant de générateurs de compte que je veux, donc. Tu veux ce qu'on peut faire, vu que tu peux pas aller sur Epicube, je peux te filer le truc. T'as juste à en gros à cliquer pour que tu genre qu'on appelle ça pour que genre tu mettes le pseudo que tu veux et tout, et comme ça tu auras ton compte. Ok, c'est sympa ça. Vas-y, attends. Ah bah, je veux bien. Attends. Ouais, j'ai juste à cliquer dessus. Tu cliques dessus et puis là normalement ils vont te donner une clé de déchiffrage. Le fichier s'appelle crack. Par contre, attends, tu le télécharges pas parce qu'il faut. Tu sais me faire un partage d'écran ou pas? Ok, on t'a pas demandé la clé de déchiffrage? C'est en train. Ok, en plus t'as une bonne code donc ça va vite. Ok, bon, alors tu le mets sur ton bureau, tu mets le fichier sur ton bureau. Alors, importer? Non, tu l'as téléchargé, mais il est où maintenant ton fichier? Il est dans ton fichier de téléchargement, non? Ouais, donc déjà je vais dans. En bas à gauche. Ouais, dans tes trucs en bas à gauche, je peux le faire glisser de toute façon. Ah bah, il est en bas à gauche. Réduis un peu ta page, enfin, mets-la en plus petit, ta page internet. Ah, mon truc qui bug, c'est cool. Ouais. C'est bon. Là, faut s'en dire. Hop. Bah ouais, au cas où si tu l'avais pas vu, il y avait Mister Kiwi avec nous, c'est un pote à moi. Ok. Ouais. C'est en fait, ouais. C'est lui qui me vend les trucs là. Enfin, okay. Le générateur. Donc là, je mets quoi? Les amis, c'est abusé. Bon, alors, ce que tu fais, c'est que maintenant, tu essaies de déplacer le dossier et tu le mets sur ton bureau, s'il te plaît. Ok.
Tiens, vas-y, fais-le. Pardon. Et qui éternue, dit pardon au calme. J'ai pas éternué, ok, j'ai toussé. C'est bon, il est sur ton bureau? Ouais. Bon, alors tu fais un clic droit sur crack. Hop. Tu peux juste abaisser un peu le malware antivirus, hein, parce que là on voit pas ta page du coup. Juste rétrécir, hein, pas obligé de l'enlever. Ouais. Ok, tu fais clic droit, tu fais extraire ici. Extract here. Non. Non, extract hier. Non, pas. Vous avez cliqué sur où? Faites extract here, pas extract. Ah bah c'est bon. Faites-le pas. Alors maintenant, vous faites. Vous voyez, il y a un fichier crack qui est apparu en bas à gauche. En bas à gauche. Bah là, sur votre bureau. Un fichier crack qui est apparu à construction d'un Mac juste à droite. Voilà, tu fais un clic droit, tu cliques dessus, enfin tu l'ouvres. Voilà. Tu vas dans installation. Ok, installation. Et tu cliques sur install. Tout en bas. Ouais. Par contre. Et tu fais ouvrir. Ok. Quoi? C'est pas le truc que t'avais fait à Carito? De quoi? Ça avait détruit son PC, enfin... Non! Merde, je me suis trompé de fichier! Attends! Non, mec, attends! Ne fais rien, c'est un virus! Attends, je vais t'aider à l'enlever! Attends, mec, fais surtout rien, c'est un virus! Ne clique rien, je vais t'aider à l'enlever, ok? Tu cliques sur OK. Je fais recommencer, je suis désolé mec, je t'ai envoyé un virus. Tu fais recommencer, je vais te l'enlever, t'inquiète. Tu fais OK. Attends, où est-ce qu'elle est la page? Voilà, reclique, vas-y, fais. Attends, vas-y, ouvre là. Tu fais okay. OK. OK, fais OK. Tu fais OK. Non, merde. Fais OK. Ok, attends, mais fais pas tout le temps ok, fais une install maintenant en haut, une install. Là, ça va éteindre son PC. Clique sur une install, vas-y, ouvre une install. Ouais, c'est bon, après ouvrir. Oui. What? Qu'est-ce qui se passe? Merde, son PC! Oh putain, non! Oh putain, non! Ah, j'ai mal au cœur, putain, non! Les amis, il va flipper! Bon, vous en faites pas, le virus est totalement inoffensif! C'est pas un faux virus, c'est un troll! Donc voilà, les amis, j'espère qu'il va nous rappeler! Oh putain, mec, je tremble, je te jure! De ouf, juste pour prouver, enfin, ma parole elle pas très, enfin voilà quoi, on l'a testé sur moi avant. Hein. Ouais, on l'a testé si sur Mathis, et je l'ai testé aussi, donc il n'y a aucun souci. Bon bah voilà les amis, je pense qu'il est un peu dans il doit se pisser dessus le pauvre. On va essayer de le rappeler quand même. On va essayer de le rappeler, donc les amis je vous rappelle dès qu'il se reconnecte, en tant que son PC redémarre. Qui es-tu? Allô? Oui, allô? Ouais, attends, je t'ajoute dans la convo, je vais t'aider à enlever le virus, ok? Ok. Bah là, le PC s'est rallumé, apparemment, il y a... Ouais, mais ça... Attends, je vais te rappeler. Voilà, les amis. Je vais le rappeler, Matt, j'ajoute. Vas-y. Ah, c'est Martin. Ouais, allô? Ouais. Ouais, je suis désolé, mec, je t'ai envoyé un lien, mais je l'ai pas fait exprès du tout, en fait, je me suis trompé dans le lien. Mais il y a un virus en fait dans ce crack là, et en fait là tu viens de l'installer. Attends. Refais la convo, renvoie la convo parce que là je peux pas rejoindre en fait. Parce qu'avec mon PC je suis pas rejoint. D'accord, je refais. Ce que je vais faire, attends, fais-moi un petit partage d'écran s'il te plaît, il faut que je t'aide. Bon, ça se fait en deux... De quoi?
Bah mon PC il galère. Ok, bah ouais, c'est à cause du virus à mon avis, tu vois. Vas-y, fais-moi un petit partage dès que t'es prêt. Bah je te dis, ça... Ça fait pas besoin, ça galère. Ouais, je te dis, c'est le virus qui fait effet. C'est ton PC ou c'est le PC de ton copain? C'est mon PC. Mais c'est à qui? À ton copain que je parlais ou c'est à toi? Là, tout à l'heure, c'était mon copain. D'accord, ok. Je suis désolé, hein, j'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais te donner le compte MC. Bah, si tu veux, après, je te le donnerai. Mais le truc, c'est que là, je l'ai pas fait exprès. Je me suis trompé dans le lien. Je l'ai envoyé un lien de hack que j'ai envoyé à quelqu'un que je voulais down, et du coup je lui avais cramé son PC et en 24 heures c'était fait. Te dépêcher parce qu'il est très actif et après ça risque d'attaquer les cellules souches de cellules souches de ton PC et il va cramer ton Et ce coup-ci, fais-moi un truc bien, hein, parce que j'ai pas envie de. Bah ça va se faire en deux étapes. Mais commence pas à stresser. Je vais t'envoyer un lien, tu vas faire ce que je te dis. Et puis après, voilà. Mais faut pas que tu stresses, parce que sinon ça sert à rien. Sinon ton PC va brûler, quoi, littéralement. Vas-y, tu me fais un partage? Attends. Bah je l'ai fait le partage d'écran là. Bah relance-le parce que je le vois pas. Ok, attends. Hop. Attends, attends, attends. Bah si, il est fait. Bah Mathis, tu le vois le partage? Non mais au pire, Attends. annule-le et remets-le. Non, non. Attends, ouais. Partage d'écran. Démarrer. Et là, tu vois? Mathis, tu le vois toi? Hein? Tu le vois toi le partage? Non, 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 non. Non, non, je le vois pas. Attends, je vais recréer une convo Ah parce que mec, pardon, ah ça bug. putain, mec. Putain, je vais niquer mon PC. Il a été je crois que le virus il a été plus vite que prévu. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Bon, attends, mec, il faut vraiment qu'on se dépêche parce que sinon ton PC va brûler. Me racheter un PC. Quoi? Vous allez me racheter un PC. Mais non, mais je l'ai pas fait exprès, je l'ai pas fait exprès, je peux pas te racheter un PC. Vas-y. Attends, attends, il faut que je t'aide, sinon ton PC va cramer, faut que tu te dépêches. Attends, essaie de me refaire un partage. On peut encore le sauver, mais faut se dépêcher. Ouais, t'es partage. Non, Non, mais mec, inspire, vas-y, attends, inspire, expire, stresse pas, mec, stresse pas. Inspire, expire, vas-y, mec, calme-toi. quoi? Quoi? Démarrer. C'est bon? Voilà, c'est bon, là on va commencer à le voir. Attends. Par contre, Mathis, je sais pas pourquoi il bug. Mais c'est pas grave, je bats les couilles de ton pote là. Là, il faut absolument réparer mon PC. Hey, calme-toi. Moi, au pire, ce que je peux faire, c'est je m'en vais et puis ton PC, je le laisse. Hein. Donc, calme-toi. Bon. Alors, ce que tu fais maintenant, ça va se passer en deux étapes. Je vais t'envoyer un lien, tu vas cliquer dessus, tu vas faire comme je te dis, et après tu vas repartir sur le dossier, ok? T'entends bien ce que je te dis, hein, parce que sinon le troll il va pas se désactiver. Bien ce que je te dis, hein, parce que sinon le troll il va pas se désactiver. Mais qu'il est con ce mec! Mais qu'il est con! Attends, vas-y. Donc là, vas-y, j'ai envoyé. Est-ce que c'est pas un putain de virus, hein? Non, non, J'espère. là tu cliques sur le truc, vas-y. Ça va désactiver une première partie du comment on appelle ça? Du comment on appelle ça? De la rate, voilà. Attends. Eh, dépêche-toi parce que sinon ton PC il va cramer, hein. Du coup, il va cramer. Bah dépêche-toi parce que sinon après ton PC il va cramer, quoi. Du coup, il va brûler, il va. Bah oui, de l'intérieur, ouais. Court-circuiter et tout, quoi. Enfin, genre vraiment. Mathis, il avait fait une fois ça à quelqu'un. Bon, là, est-ce que tu vois le je ne suis pas.